Et c'est parti pour un nouvel épisode du Swiss Esports Weekly. Et on commence avec les champions du monde du USF. Avec nos différentes équipes mobilisées sur place. Les Intel Extreme Masters. À Chicago sur CSGO. Et enfin les Rocket League Championship Series. Oh. Et tout ça pendant les phases finales. Esport.ch, powered by UPC. Ce week-end avait lieu la plus vieille LAN de Suisse. En effet, elle date de 1995, c'est la NetGame. C'était à Derenligen, à Soleure. Il y avait des tournois sur ReTime, Rocket League, PUBG, CSGO, League of Legends ou encore Overwatch, mais on s'est plus concentré sur l'expérience vécue. En effet, Reto était sur place et a participé à l'événement et nous a donné quelques pics. Son avis global était très bon car pour une petite LAN familiale, il y a pris son pied et il y a même très bien mangé parce qu'un chef cuistot était présent. En ce qui concerne les résultats, vu que la LAN était plutôt pour le fun, nous nous sommes concentrés sur le 13e minor de ReTime de la Suisse Made Games League, où c'est le joueur Slemey qui l'a remporté. Et on part du côté de Kaohsiung avec les Worlds de l'IESF, où nous avons eu nos joueurs suisses qui ont joué sur Tekken 7, CSGO et League of Legends. On se rappelle de la performance de Kira Kira qui a obtenu la médaille de bronze sur Tekken 7. Malheureusement, cette année, les nouvelles ne sont pas aussi bonnes. En effet, notre joueur de Versus Fighting était plutôt bien parti pour égaler, voire dépasser sa performance de l'année dernière, mais c'est sans compter sur le joueur japonais, Akaio, contre qui il s'est cassé les dents avec un très gros 4-0. Ce même joueur est arrivé à la deuxième place, donc il n'a pas à rougir de sa performance. Il est arrivé en top 8, GG tout de même à lui, puisqu'il y avait pas moins de 32 participants au total, et la première place est revenue au joueur Sora d'Arabie Saoudite. Du côté de CSGO, nos représentants de l'équipe Berserk n'ont pas réussi à passer les phases de poule. Ils sont écrasés contre Nexus Gaming, les Roumains, et contre Beyond Esports, les Thaïlandais. Et finalement, c'est l'équipe Avu Gaming, les Finlandais, qui ont remporté ce tournoi. Et sur League of Legends, les performances sont plus ou moins similaires à CSGO, puisque l'équipe suisse n'a pas dépassé les phases de groupe. En effet, ils étaient dans le groupe H, aux côtés de la Roumanie et de la Suède, contre qui ils ont perdu leurs deux matchs. Ils n'ont donc pas pu continuer l'aventure. En ce qui concerne la première place, elle est revenue au leader national, les Sud-Coréens. L'équipe nationale suisse du FIFA Pro Club, rappelez-vous ce format où on joue à 11 joueurs contre 11, avait dernièrement réalisé de très belles prouesses. Et oui, ils avaient atteint les finales des championnats du monde où malheureusement ils ont perdu contre l'Espagne 2 à 4. Mais rassurez-vous, ils vont revenir très prochainement avec les championnats d'Europe. Mais avant ça, ils doivent compléter leur roster en cherchant les dernières têtes. Chicago est une ville qui réunit les talents et ce week-end on a eu le droit à de l'e-sport. En effet, pour la première fois, nous avions les IEM, hashtag les Intel Extreme Masters, c'était sur CSGO, et nous avons pu voir les 16 meilleures équipes de la planète s'affronter et prendre la ville d'assaut. Avec un prize pool de 250 000 US dollars, la Wintrust Arena est devenue l'épicerie de la scène e-sportive. Et les playoffs étaient des plus explosifs. Nous avons d'abord eu l'équipe Astralis, alias les Danois, qui ont battu 2 à 1 l'équipe de Fnatic. Et de l'autre côté, nous avions Team Liquid qui a exécuté le même score face à l'équipe FaZe Clan. Et la finale était à sens unique car l'équipe Astralis a gagné 3 à 0 face à l'équipe Liquid. La première saison e-sport de Ligue Formule 1 a commencé et touche à sa fin. Et nous arrivons sur les grandes finales qui vont se jouer ce week-end. À savoir que toutes les grandes entreprises de la branche ont des joueurs sous leurs ailes et notamment Sauber. En ce qui concerne les sponsors, ils en ont de très gros derrière eux et les joueurs sont presque de vrais joueurs pro Formule 1, comme quoi ils savent faire la course. On peut s'attendre à des belles choses dans cette discipline et notamment grâce à leur gros potentiel budgétaire. Et si en faisant nos courses, on allait voir un match d'e-sport? Et c'est le cas puisque Walmart, la plus grande chaîne de supermarchés américaine, a fait un partenariat avec eSports Arena. Ce partenariat permettra à 8 supermarchés d'accueillir en leur sein des scènes e-sports. Vous aurez droit à des ligues toutes les semaines, des tournois les week-ends et tout ça saupoudré de marketing pour leur nouvelle gamme de PC. Sur Rocket League, les RLCL se sont terminés dernièrement. C'était la 6e édition qui était des plus imprévisibles. Et la première journée restera la plus marquante car tous les scores se sont terminés sur 3 à 2. Et après avoir remporté tous leurs matchs depuis le début, l'équipe d'Initas s'incline finalement en finale sur 2 fois le score de 4 à 1 face à un Cloud9 acharné. Ils deviennent donc champions du monde et tout ça à la maison en stoppant la série des anciens Gale Force. Les playoffs SESL sur CSGO, Rocket League et Hearthstone se sont joués et on a hâte de les accueillir ici même le 17 novembre pour les finales. Nous aurons donc pour CSGO une finale entre les éternels rivaux Berserk et Silent Gaming. Du côté de Rocket League, ce sera un derby lémanique avec Servette contre Lausanne. Et enfin, sur Hearthstone, nous aurons une finale lausannoise puisque nous aurons le joueur Bozo qui s'opposera à Yoon Theory.
Beaucoup de résultats cette semaine et on va commencer sans attendre avec la SESL. Avant-dernière semaine de Ligue SESL sur PUBG avec un classement provisoire composé de en première place Ellen Fischer Fan Club, suivi de Team Synergy et finalement en troisième l'équipe Génétique. La finale quant à elle aura lieu le 25 novembre. On passe maintenant du côté de la Swisscom EuroLeague avec la deuxième cup qui s'est jouée ce week-end. Sur League of Legends, nous avons les deux qualifiés, il s'agit de Noetic Frost et une nouvelle line-up du côté d'Helvet. Sur Hearthstone, il s'agit des joueurs Ray et Tosish. Et pour Clash Royale, nous avons le joueur Inception et le joueur Adipa. Pour la prochaine cup, elle se jouera le 17 novembre, ce samedi, sur Hearthstone et League of Legends. Et pour Clash Royale, ça se jouera dimanche 18 novembre. Du côté de Rocket League avec la TCS eSports League et plus particulièrement la 5e Challenger Cup, c'est l'équipe Lostic qui a gagné 3-2 face aux Rocket Felines. Ce week-end s'est déroulée la Garden édition Freeze. C'était à Genève avec des petites raclettes qui accompagnaient les tournois. Sur Hearthstone, nous avons eu la Garden Cup 4 qui a été remportée par Pyramor qui est ressorti avec un joli petit trophée. Et sur Retime, c'est le joueur La Vie Dure, Thomas, le joueur de Asgard. On finit avec les résultats de la Garden sur les tournois versus Fighting. Sur Street Fighter, c'est Akram de la team Asgard. Dans Dragon Ball Z, c'est Easyman. Et finalement, sur Tekken 7, il s'agit de Rugal de Rolling Stones. Maintenant que le Meltdown est ouvert, nous avons pas mal de résultats à vous communiquer. Et cette semaine, nous avions droit au premier weekly sur Smash. Il a été d'ailleurs remporté par le fameux joueur Smurf de la team Helvet. Et cette semaine, on fait un big up spécial à Zerator qui organise le The Event avec pas moins de 38 streamers cette année pour participer à 50 heures de live pour Médecins Sans Frontières. Ils ont réuni plus d'1 million d'euros et ils ont carrément doublé la somme par rapport à l'année passée où ils avaient réuni pour la Croix-Rouge 450 000 euros. Nous avons eu un Zerator ému aux larmes à la fin de cet événement. Je voudrais commencer par remercier déjà... On joue juste à des jeux vidéo. Mais oui. Mais oui. On fait rien de plus. C'est nul. Mais non, c'est pas nul. Oui, non, je suis pas d'accord. Je sais, c'est pas nul. Ah, c'est trop bien. Ce monde est fabuleux. Le monde peut être magnifique. Merci à tous d'avoir regardé notre émission Swiss eSports Weekly. Comme je vous rappelle, chaque semaine, nous vous apportons l'actualité. N'hésitez pas pour plus d'informations à nous suivre et à être attentif à notre site eSports.ch. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. eSports.ch, powered by UPC.